Bonjour à tous, bienvenue à Cannes-sur-Mer pour cette deuxième semaine de compétition au GPA Jump Festival. Les vraies stars du concours sont les cavaliers et leurs chevaux, mais dans l'ombre travaillent de nombreuses personnes durant cette quinzaine. Du chef de piste à la présidente du jury au chef steward, nous sommes partis à leur rencontre. Le rôle de chef steward, tout simplement, c'est de gérer son équipe. Donc, j'ai quatre adjoints des stewards qui ont des postes bien particuliers. Entrée de piste, contrôle technique au niveau du paddock, contrôle de boots et en contrôle antidopage quand ça parvient par moment, enfin contrôle antidopage. Et là, donc, mon rôle, c'est de coordonner, assurer la coordination de toutes ces parties-là. Donc on travaille dans les coulisses, on travaille dans des conditions qui sont très bonnes puisque le site est merveilleux. On a beaucoup d'espace, tout se réalise dans les meilleures conditions possibles. Et donc le rôle du commissaire, c'est de préserver l'éthique du cavalier, le goût du sport, amener le couple cheval-cavalier dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse œuvrer et faire son parcours dans le maximum de conditions possibles. Nathalie à l'entrée. Le terrain de paddock, c'est le terrain d'échauffement. C'est tout simplement pour que le cavalier mette dans les meilleures conditions possibles son cheval et l'amène dans les meilleures conditions possibles sur le terrain d'honneur. En fin de compte, le paddock, c'est le brouillon et il remet la copie sur le terrain d'honneur. La particularité, c'est que bon, les paddocks sont d'excellente qualité, sont des boursoles, des très très grands paddocks. En plus, ils ont la possibilité de travailler sur la piste d'entraînement de trot, là, en sable. Et vraiment, ils ont des conditions très favorables. Peuvent mettre les chevaux dans les meilleures conditions possibles pour œuvrer et avoir des bons résultats. Quoi. Et les chevaux progressent de vitesse dans de très bonnes conditions, très rapidement. Quoi. Ça me fait un grand plaisir de travailler sur ce site, d'autant plus que Jean-Michel Costamagna, c'est un ami d'enfance et c'est mon père qui l'a mis à cheval. Donc, voilà. Alors, mon rôle consiste à veiller à ce que le concours se déroule au mieux possible en fonction des règles de la FEI. Donc je suis chargée de veiller au bon déroulement des épreuves et de l'organisation du concours en général. Et pour ça, je suis assistée de plusieurs personnes. Donc jusqu'à vendredi, on est 6 juges. Et à partir de vendredi, l'équipe se renforce parce qu'il y a plus d'épreuves. Donc on sera une dizaine. J'ai aussi pour rôle les visites vétérinaires et les contrôles sanitaires des chevaux à leur arrivée. Ça se fait en compagnie des équipes vétérinaires FEI. Et on est chargé de veiller au vaccin et à la rectitude des chevaux. Autrement dit, si un cheval n'est pas apte à courir, il peut être refusé à la visite et dans ce cas-là, il ne prend pas le départ. En cas de litige, si c'est une faute aux obstacles, on va dire, si le cavalier, nous on a vu une barre tomber, le cavalier conteste, on ne va pas refuser tout de suite la contestation. Il y a une vidéo officielle, donc on peut consulter la vidéo et si effectivement il n'y avait pas faute, on réinsère le cavalier dans le classement. Sur le temps, il peut y avoir des contestations au niveau du chronomètre. Il faut savoir que dans la tribune du jury, il y a un chronométreur officiel et chaque juge a un chronomètre à main. Donc en principe, on a toujours un temps qui est vrai et il y a très peu d'erreurs de chronométrage. Officiellement, pour les gens qui n'y comprennent rien au concours hippique, si par malheur il n'y a pas de temps, la règle veut qu'on accorde au cavalier le meilleur temps, une place de premier ex-aequo, s'il n'a pas de faute, à égalité de points avec le meilleur temps. Mais ça, c'est la règle, mais ça arrive rarement. Voilà, on a toujours un temps parce qu'on a tous un chrono à la main pour veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Alors, on commence petit juge régional, et puis juge national, et puis juge candidat juge international, et puis juge international, sachant que les deux dernières étapes passent par des cours FEI qui sont faits par la FEI et sanctionnés par un examen et un diplôme. Bonjour. Mais le chef de piste, c'est comme un régisseur. C'est la personne qui trace les parcours, qui dessine les tracés des parcours, qui met les difficultés en place. Et je préfère le terme de course designer. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que bon, on met les parcours en place, les difficultés. En même temps, on fait de la décoration et on essaye de faire du spectacle. Ben, ici, la piste est très grande. C'est rare qu'on ait une piste comme ça aussi grande, avec beaucoup de choses à regarder. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment une mise en route. On essaye de mettre les chevaux à l'aise, qu'ils sautent bien. Puis après, petit à petit, on va mettre des difficultés de plus en plus délicates. Alors, un parcours est composé de verticaux. Donc, ce sont des obstacles où il y a un seul plan.
Ensuite, il y a des auxerres, il y a deux plans, c'est-à-dire que si le cheval fait faute sur la barre du haut devant ou la barre de derrière, il y a faute. Et après, il y a de temps en temps, il y a ce qu'on appelle une triple barre ou barre de spa, c'est un obstacle à trois plans. Ensuite, il y a des obstacles qu'on appelle les combinaisons, qui sont, alors il y a le double, qui est séparé par une ou deux foulées. Alors en gros, une foulée fait 3,50 m. Donc un double, on va à une foulée, c'est entre 7 et 8 mètres, et pour deux foulées, entre 10 et 11 mètres. Et ensuite, il y a le triple, c'est-à-dire qu'il y a trois obstacles qui sont séparés par une ou deux foulées chacun. Ensuite, on a pu voir des épreuves destinées aux jeunes chevaux. En quoi consistent-elles ? Eh bien, c'est comme la maternelle, ce sont des bébés. Donc on leur apprend leurs lettres, on leur apprend l'alphabet, on leur apprend un petit peu à former leur gamme, à leur montrer plein de choses, mais de façon très appropriée, c'est-à-dire qu'on leur facilite le travail. C'est vraiment ce sont des épreuves d'apprentissage. On n'est pas là pour faire, ce soit pas la compétition, mais c'est quelque chose pour apprendre, comme à la maternelle ou à l'école élémentaire. Je marche beaucoup sur la piste avant de commencer à tracer mes parcours. C'est ce que j'ai fait hier pratiquement toute la matinée. J'ai marché, je regarde parce que des fois il y a des angles morts. Il faut savoir que le cheval a une vision, je tiens beaucoup compte de la vision du cheval. Le cheval a une vision latérale, donc il regarde beaucoup ce qu'il y a sur le côté. Donc il y a des endroits où on peut mettre des obstacles ou certains types d'obstacles. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre certains types d'obstacles. Enfin, c'est tout un tas de paramètres des paramètres qui sont infinis d'ailleurs, qui rentrent en ligne de compte. Et puis à partir de ça, suivant le niveau de l'épreuve, si c'est pour des jeunes chevaux, j'ai dit là ça va bien passer. Si c'est pour des chevaux qui sont déjà expérimentés, j'ai dit ça peut être un peu délicat pour eux, sans être dangereux pour eux. Parce qu'il faut vous dire quand même que le chef de piste, il n'est pas là pour casser du cheval, entre guillemets. Il est là pour faire des parcours pour les chevaux, mais en même temps des parcours de cavalier où le cavalier doit réfléchir avec sa tête. La pression elle va monter tous les jours parce que petit à petit on monte d'un cran, on va essayer de monter d'un cran pour arriver au meilleur niveau possible dimanche. Alors c'est vrai qu'il y a un plateau de cavaliers de 5 étoiles et en même temps il y a des cavaliers qui sont entre guillemets un petit peu moins expérimentés. Donc le but du jeu c'est de faire des fautes à tout le monde sans être trop méchant pour certains ou trop facile pour d'autres. Mon rôle sur ce jumping, c'est être à la base directeur sportif, m'occuper qu'il y ait le maintien des horaires, le maintien de que la piste soit toujours conforme et d'assister Jean-François Morand, puis Jean-François Gourdin la deuxième semaine. C'est tout d'abord un objectif de formation. La première partie de la semaine est consacrée aux jeunes chevaux, 5, 6 et 7 ans, avec deux hauteurs, deux niveaux. Donc en fait, tout le monde a un petit peu le choix. Et le principe est de former des chevaux, les amener gentiment pour sauter plus gros. Et après, il y a quelques épreuves du 2 étoiles, 1m35, 1m40. Ce sont pareil des épreuves plus préparatoires, parce que les gens qui viennent faire le 2 étoiles, ça va être plus pour courir les épreuves ranking en fin de semaine. Les impressions, c'est piste grandiose. On est sur un site fabuleux. D'un côté, on a la mer. D'autre côté, on a la montagne avec la neige. L'hippodrome permet aux gens de pouvoir travailler leurs chevaux comme ils le veulent. On a deux pistes de bonne qualité, des boxes en dur, c'est rêvé quoi. Il y a un peu de structures qui ont ça pour débuter. Voilà, vous l'avez compris, toutes ces personnes veillent au bon déroulement de la compétition et au succès des cavaliers de leur monture. Retour en cette deuxième semaine de compétition sur les résultats de cette journée. La grosse épreuve du CSI 2 étoiles 1m40 s'est courue ce mercredi. À la troisième place, Brice Grugeon, avec Serve de la Sens, nous ont livré une très belle performance avec un chronomètre de 62 secondes et 52 centièmes. À la deuxième place, Gemma Kirk et Kélisto en 62 secondes et 32 centièmes. Cette cavalière est très en forme, figurant depuis le début de la compétition aux places d'honneur des épreuves auxquelles elle participe. Alors que l'épreuve semblait se remporter dans un chrono de 62 secondes, c'est en 58 secondes et 31 centièmes que le Marocain Abdelkibir Wadar avec Québec Tam s'empare de la tête de cette épreuve. Nouveau venu dans les écuries d'Abdelkibir, Québec Tam a devant lui un avenir prometteur. Allez, mais tout le monde d'accord, 58 secondes!